Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo gameplay sur ce magnifique jeu qui est Horizon Zero Dawn. Aujourd'hui mes amis, c'est le jour où nous allons enfin découvrir de nouveaux horizons. C'est le cas de le dire, avec Aloy qui est shot comme la braise, comme d'habitude. On va tout de suite jeter un petit coup d'œil à la map. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes au rempart et qu'aujourd'hui, nous allons attaquer une mission annexe. Oui, oui, tout à fait. Bande de fous, la vengeance d'une fille. Voilà, ça se situe juste ici. Donc, vous pouvez constater qu'on a un petit peu de route. On va percer cette map et continuer de la découvrir. Nous, on est juste là. Donc, au rempart Cardia, où on s'était arrêté la dernière fois. Petit souvenir, petit rappel, piqûre de rappel, la dernière fois nous avions atteint les remparts Cardia, c'est-à-dire la frontière qui sépare le monde des Nora et le monde Cardia, le territoire Cardia. Nous avons fait la rencontre de quelques protagonistes qui nous avaient demandé d'aller voir dans la vallée si nous ne trouvions pas une équipe à eux, une équipe Cardia, une équipe de soldats Cardia qui avait disparu dans de drôles de circonstances. On en a retrouvé un, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Et nous l'avions sauvé. Voilà, on avait eu affaire pour la première fois au Carapateur. Je vous laisse quand même regarder ce qui nous attend. Voilà, ça c'est la suite de la map. On voit déjà d'ici qu'il y a de nouveaux ennemis, de nouvelles machines, mais aussi que le paysage a l'air très 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 différent. J'ai l'impression que c'est le désir. C'est le désir qui nous attend. Donc on perd pas de temps, messieurs, dames, on avance, on y va au courant, on est décidé, on est chaud. On est chaud de la lance, on est chaud de l'arc. Ils sont quand même stylés ces petits soldats, ces petits gardes Cardia avec leur armure. Ça déchire pas mal. Le jour se lève, donc on attaque l'exploration tranquille. Il neige encore un petit peu, on est encore un peu en altitude. Par là, je vais suivre ce petit chemin qui m'a l'air un peu dangereux, mais je pense que c'est celui-là qu'il faut suivre. Donc aujourd'hui, on va donc continuer cette fameuse quête annexe où on nous a demandé de retrouver une fille. Youhou ! Alors ça a toujours un effet bop, j'adore. C'est stylé, faut dire ce qui est. Ah, maintenant il pleut, d'accord. La neige, la pluie, un peu de soleil, ça peut être pas mal, quoi. Surtout quand on voit des paysages comme ça qui nous attendent en contrebas. J'espère sincèrement, messieurs, dames, que la pluie va cesser. Le jour, comme je viens de vous le dire, est en train de se lever, donc j'ose espérer que nous allons avoir un beau petit soleil. Ah, il est là. Donc, je vous disais, la dernière fois, on a eu affaire pour la première fois aux Carapateurs. Ce sont des sortes de gros crocodiles qui sont quand même très impressionnants. On s'est tapé une gueule d'orage il y a de ça quelques temps. On avait été sacrément surpris par la taille de la machine. Et malgré tout, la vivacité de cette machine. Le Carapateur s'était tendu, mais ça l'a fait comme d'habitude. On a géré. Et là, donc, comme je vous dis, on découvre, regardez, il y a carrément des cactus et tout. Alors là, c'est carrément... regardez cet envolé d'oiseaux au loin, là, c'est trop stylé. Grave, c'est trop stylé. Là, on change tout au tout, quoi. On passe de la montagne et des sommets enneigés à carrément des cactus et une zone très aride. Et là, on peut voir... Je sais pas ce que c'est... Ça m'a l'air énorme et c'est pas des gueules d'orage. Donc forcément, qui dit nouveau territoire, nous sommes officiellement sur le territoire Cardia. Nous avons passé les remparts avec brio. Qu'est-ce que c'est que ça? Un piétineur. Et j'adore les noms qu'ils donnent à leur machine. Alors, ah ouais. Oh là 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 là. Il court autour de sa cible. D'accord, il y a des attaques de feu, d'accord. Mais c'est seulement quand il se sent menacé. Eh ben, j'ai envie de dire, on va pas trop le menacer là pour l'instant. Parce qu'on est sur tout autre chose. Ah ouais, ils font des bruits de ouf en plus, non? Quand même. Bon. Le problème, c'est que c'est un peu sur notre chemin.
On va essayer de. Oh là là. Voilà. Moi ça va, il tourne en rond, il fait un cercle. Il tourne en rond, il aime bien. Il monte la garde. Je vais essayer de les feinter, de passer par là. Sincèrement, je pense qu'on y reviendra parce que ça va nous faire une. Oh là 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 là. Oh, il me sent, il me voit. Il me voit, il me voit, il me voit. Trace, Nico, trace, trace, trace. Je vais monter ça. Non, non, on va pas. On va pas affronter ça d'entrée de jeu direct. On vient de commencer la vidéo, on va se calmer. Regardez-moi ce machin. Et ce décor. Alors là, c'est fini, hein. Les monts enneigés, c'est terminé. On est chez les Cardia. Vous pouvez voir qu'il y a des. Je sais pas ce que c'est là-bas. Oh, il fait des bruits inquiétants ce machin. Tiens, il y a un petit feu là. Impeccable. Bonjour. Parlez aux gardiens. Bonjour. Par le soleil. Tu es Nora? Ben Je oui. n'avais jamais vu de Nora dans la zone de chasse. Ben, ni au quoi. Pavillon des chasseurs. Oh, Genre c'est fascinant. Qu'est-ce que tu proposes? Je te propose de tester tes compétences face à un troupeau de machines dont les épreuves d'endurance. On est en train de discuter un petit peu là, si vous pouviez. Tu penses être à la hauteur? J'en suis certaine. Excellent. J'adore ton mental. Ouais. Tu es bien trop aimable. Trop aimable. Oh, tu sais, on se sent seul dans la nature au bout de quelques semaines. Ouais, ça Très y est. Seul même. Encore un qui Et me fait du rentre dedans. Je peux comprendre. Oh, il ne compte pas. Il n'ouvre jamais la bouche. Apparemment, on est encore sur une leur fameuse de zone de chasse là, qui permet de s'entraîner en fin de compte. Hein. Alors, qu'est-ce que Qui es-tu? Que fais-tu là? Bah, je suis un chasseur, voilà. Bien sûr. Évidemment. Du pavillon des chasseurs. Mais je me plais bien ici. Voilà, c'est ça. C'est un peu une sorte de confrérie de chasseurs. De ma tenue. Sur la map, manières, vous pouvez trouver régulièrement des points de chasse comme ça, pas entrer, un peu partout va faire sur la map, tout le monde avec ses bavardages, avec des objectifs à réaliser. Plus encore le poisson, ce genre de choses. Ça vous permet de débloquer certaines je ne choses. Fais pas le poisson, mais hein. Franchement, pour m'y être non, frotté, plutôt bah, le tout premier stand de chasse, ah, c'est déjà mieux. Tout début, ça remonte maintenant. Franchement, c'est Shogun. C'est quoi ces épreuves? Le pavillon des chasseurs tient à ce que toutes les zones de chasse offrent aux chasseurs l'occasion de s'entraîner. Voilà. Les épreuves d'ici concernent l'élément le plus important de la chasse. C'est un peu ce que la je viens d'expliquer. De mais bon, si tu veux ce n'est répéter. C'est une course, c'est un défi. Plaisir. C'est un défi. Donc, tu proposes un entraînement? Et un troupeau de machines. En plus, je peux accorder des insignes. Je n'en veux pas, moi, de vos machines. Un soleil complet ou un soleil radieux. Voilà. Le résultat. Mais alors, pour avoir le soleil radieux, mon gars, il faut te lever tôt. Faut être surentraîné. Il faut que Donc, je pour l'instant, ouais, voilà. À pour l'instant, on va. Il est un peu chelou, lui, non, quand même. À la prochaine. Il est chelou, quand même. Hein. On va pas s'attarder ici, il me fait peur. Et je vous dis, les zones de chasse, très sincèrement, je zappe un peu, quoi. Parce que c'est vraiment une prise de tête pour moi. Peut-être qu'après, avec du meilleur matos et quelques heures de jeu derrière moi, bon bah, je serai plus aguerri pour effectuer. Ah ouais, carrément. Pour effectuer ce qu'ils nous demandent, mais. Toi, ça fait un moment que je te vois des remparts de là-haut. Hein. Mon Dieu, un oiseau tempête. Cette machine volante très agile bénéficie d'un large arsenal d'attaque électrique air-sol. Le bordel, c'est un truc de l'armée, quoi. Franchement, ça pète, hein. C'est classe. Hein. J'ai bien envie de l'éclater, mais franchement, on n'est pas trop là pour ça. On a un objectif bien précis aujourd'hui. Mais sincèrement, pousse-toi le cactus. Mais sincèrement, regardez-moi cette machine. C'est incroyable, quoi. Une machine qui vole et tout. Oh là là, et le paysage. J'aperçois un petit feu là-bas en bas. Il m'a vu au moins. Oh là 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 là. Attends, il m'a vu. Il fait des bruits bizarres. Je ne pourrais pas utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Ah merde. Pourquoi? Bah mais lui il me voit. Attends, je vais essayer de m'excentrer. À mon avis c'est parce que je suis dans la zone de chasse. Je peux pas sortir mes armes. Voilà, merci. Merci de confirmer à l'œil. Là par contre c'est une autre histoire. Eh bien franchement,
Steve, j'ai envie de dire. Oula, oula. Il fait de la lumière. Il fait des trucs bizarres. Si oula. D'accord, attaque électrique. D'accord. D'accord, attaque électrique. Même pas peur, mon gars, même pas peur. Bouge pas, moi, je vais te maîtriser. Je sais pas donc où je tire, là, une sorte de... Ah, mais c'est ça, en fait, regarde. Ah ouais. Oh. Le truc, il m'a aveuglé, quoi. C'est des fous. Mon dieu. Je vais attendre d'être dans la zone de chasse pour tirer. Oh là 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 là. C'est des fous. Ah, musique qui se calme. On dit que je perds mon casque. Alors. Bon bah écoute, le combat est engagé. Hein, on n'est pas du genre à se dépiler. On va essayer de se le faire. Maintenant qu'on y est, on est repéré. Il est chaud, on est chaud. Mais j'ai l'impression que pour balancer son attaque, il est obligé de faire du... Bon, en même temps, faut qu'il vise, tu me diras. Même si tu vises comme du caca. À côté, c'est loupé ça, complètement. J'ai l'impression qu'il faut qu'il fasse du stand-by. Sur place, tu sais. Et moi ça me permet de pouvoir le lock. Voilà, tu vois, il a la bougeotte là. Ah, attends, je commence à comprendre. On dirait qu'en fait ça se passe dans les ailes, genre ça se recharge. C'est quoi ça? Ah, les grands fronts, d'accord, bon, rien d'inquiétant. Genre ça se recharge et une fois que c'est chargé, je suis en position d'attaque, voilà, comme là, il concentre tout dans le centre et il tire. Il ne manque une étincelle et ça crache des éclairs. Ça va être du sport. Ouais, bon, ça lui fait rien. D'accord. Bah reviens. Où vas-tu, malheureux? D'accord. T'es un oiseau, tu voles pas. Bouge pas. Je suis sûr que tu vas bien aimer ça. Je vois rien, je vois même pas si je le touche, c'est un délire. D'accord, bon, on va changer parce que là... Petit. Je vais descendre, hein, je suis un fou, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont... Les galopeurs, là, ils... Enfin, les... non, c'est pas des galopeurs, c'est des grands fous. Ils vont gâcher la fête si je les... Voilà, je vais les titiller un peu, ça va les chasser. Pas le genre de robot qui attaque forcément. C'est un peu fuyère, hein, comme robot. Toi, tu t'énerves pas pendant que je te regarde pas, s'il te plaît. Oh, pas mal. C'est là que je te fais mal, quand même. Tiens, regarde, je t'ai calmé au moment où il allait tirer. Bim. Ah, c'est bon, ça. Là, je suis bien là derrière le petit muret. C'est comme si j'envoyais une flèche de... Flèche de vent. Flèche invisible. Flèche transparente. Flèche d'eau. Flèche de nerf. Ça fait que chier, hein. Je sais pas... Je sais pas quoi prendre pour bien faire. La tête, le cucu. Il est parti. Où il est? Écoutez les bruits qu'ils font. C'est un truc de malade. Entre ça et les... C'est quoi les piétineurs là qu'il y a là-bas en bas? Oh, regardez-moi ces effets de lumière dans la vallée et tout. Ce jeu il est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Ah, des hautes herbes. Quand même. J'étais en train de me dire que vu que c'est désertique, j'allais plus avoir mes hautes herbes pour me planquer. Oh, il a des flambées. Ben oui. Mais fallait le signaler. Fallait le signaler tout de suite qu'il avait les flambées. Ah mais oui. Bon alors attends, parce que eux... Je pense que eux, ils vont... Ils vont, comment dire, gâcher la fête. Hein. Je préfère les titiller un petit peu.
j'aime bien en plus, ça a l'air plus. Chien. Oh là, oh là. Allez, 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 pas aimé. Mais c'est qui là qui a fait. Et crache lui. Je vais finir lui. Pim. Il s'en bat les steaks lui, la faim. Ok, allez tiens. Bon appétit. Ça vous faire par la maison. C'est peut-être beau toi. Job. Alors. On va essayer avec ça. Ah, il en reste un là-haut, je n'avais pas vu qu'aucun. Vous avez vu, ils sont pas pour bagarrer tout ça parce que. Et bim. Et voilà, finishim. Terminé. On n'en parle plus. Parce qu'ils sont quand même là à côté de moi, ils m'ont détecté, ils sont en rouge, mais bon. C'est quoi ça? Mais le truc il est posé en fait. Ah mais si tu bouges aussi, ça va pas aller ça. Des cactus les amis. Et encore des sangliers dans le désert, c'est normal ça? Bon, apparemment on est tranquille aux alentours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aux alentours, il n'y a plus des têtes au moins. Ah non, il n'est pas de. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a des gars! Ah, il y a des gars! Attention les gars! Ah, il y a des gars! Oh la vache! Wah, wah, wah! Écoutez-moi ce bruit! Impressionnant. Regardez-moi ça. Ça va bien. Bim, dans la flambée. Bien, wesh. C'est bon, ça. Ah, là, il aime... Wouah. Ici, c'est possible. Ah, il aime pas, là, je crois. Ils l'ont gelé, au moins. La pêcher. Vous pourriez communiquer, les gars. Hein. Je sais même pas d'où vous venez, là. Dans la queue. Oula. Oula. Oh, il a pas aimé, là. Prendre l'élan, là, à mon avis, il va piquer sec. Donc ça ne... Oh, tiens. Ça ne pas... Oh, oh. Putain, il en a là aussi, là. C'est pas de la flambée, ça. Oh, il a un peu de tout, lui, hein. Il aime bien, il aime bien. Il aime bien goûter à tout. Il est super impressionnant, ça. Le gueule d'orage était très impressionnant. Mais le gueule d'orage ne vole pas. Tiens. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, tous ensemble on l'a presque là. Ah oui. Il est dead. Il est dans la flambée. Non, il est pas mort. Bon, enfin là. Voilà, attention les mecs, attention, ils se relèvent. Oh bah c'est foutu, gringue, et puis ils bougent pas, ils sont là. Ça y est au moins. C'est vrai, je peux pas te dire le contraire, t'as raison. Mais en même temps, on a géré, je trouve. Regardez-moi cette bestiole. Oh, le truc est énorme, quoi. Voilà. Premier oiseau tempête. Dead. Recta. Ah ouais. Oh, il a des bons trucs, l'oiseau tempête. Mort. Oh là là. Ah ouais, j'ai ramassé du bon stuff, là. Bon, j'irai voir ça plus tard, parce que là, en fait, je vais vous faire un petit let's play. Je vais essayer de foncer jusqu'à l'objectif, mais à mon avis, quand je vois tout ça en une vidéo, ça va être tendu, les amis, parce que là, on est quand même sur un nouveau territoire. On découpe de nouveaux groupes, de nouveaux ennemis. Un nouveau climat, un nouvel environnement. C'est un peu galère. Attendez, je regarde un truc. Oui, mais voilà, c'est ça. Regardez, un ditaxia de la Pontcardia. Il me manquait un bestiau comme ça à éliminer avec les poules électriques. Et je vous jure, pas moyen. J'en trouvais plus, quoi. Alors là, je vais en profiter vite fait. Je me détourne de la mission. Ça va me prendre 2 secondes et ça va me permettre de terminer mon tacticiel. Voilà. Là, c'est sur ta tête. Voilà, c'est bon. Tacticiel terminé. Ok. Oh, moi non, nice. Je vais pas user mes... Merde.
Je vais pas user mes bouboules pour rien. Ouais, voilà, nickel. Ouais, c'est là. Ok, nickel. Ok, c'est bon. La vengeance d'une fille. Allez, on y retourne. Vous voyez qu'on n'est pas arrivé, hein. Pff, oh là là. Regardez, on n'a rien fait comme chemin. On est déjà à 20 minutes de vidéo. C'est un truc de ouf. Cette map, elle est quand même bien... Elle est bien grande et sincèrement, elle m'a l'air bien diversifiée. C'est quoi ça encore? Écoutez-moi tout ça, le truc que t'es rassuré dans cette région. Bon alors, lui il est dead, on est d'accord. Alors attends, c'est par où? J'avais vu un feu aussi là tout à l'heure. Ça c'est les hautes pattes, ok. Ouais. On va refaire les munitions les amis parce que j'ai l'impression que ce territoire Cardia nous réserve de sacrées surprises. full. On va tout mettre full hein, parce que... Vous entendez les bruits là? Bruit de laser ou je sais pas quoi, je sais même pas qui c'est qui fait ça. Bonsoir. Y'a du laser là dans le coin? Ah ouais. C'est ça, y a rien à voir ici. Non, ça rien à voir, rien à voir. Ah, c'est là-bas, regarde. Il s'éclate. En... Merde. Il s'éclate tranquille. Là-bas, on a encore un poste. Je sais même pas ce que c'est. Franchement, il est où ce feu? Attendez, je regarde vite fait sur la map. Ah, c'est celui-là. Ok. Et c'est donc par là. D'accord, ouais, bah j'allais pas partir. Pardon, du bon côté. Oui, je suis fatigué, messieurs, dames. J'ai le droit, non? J'ai le droit d'être fatigué, non? On ramasse, hein, comme d'habitude. On ne perd pas les bonnes habitudes, et blablabla. C'est quoi ça là-bas? Mais il y a des trucs partout, hein. Franchement, les cardias, c'est des bâtisseurs. Je pense que ça doit être des portugais du jeu, les cardias, en fait. Ils bâtissent. Ils construisent comme des fous, ils s'arrêtent jamais. Toi, je vais te prendre ton petit cucu. Parce que vu la taille du territoire, qui pourrait que je fasse ça sur mes deux petites gambettes? C'est des grands malades. Parce que je vous explique, hein, j'ai quand même attendu que le jour se lève, comme bien souvent, pour profiter au maximum du paysage. Et franchement, j'ai à peine avancé, on en a plus de 20 minutes de vidéo, et on voit que tout doucement... On voit que tout doucement, le soleil est en train de descendre. La nuit va vite tomber. Moi, je descends comme un cow-boy. Voilà, nickel. Il y en a un là, il y en a partout, c'est un truc de malade. Là-bas, c'est quoi? Un grand front, ok, rien de méchant. Ok. Ok. Oh, ce paysage. Sunshine. Ouais. Non, y a pas, franchement, il est... Il se rapproche ou quoi, ce truc-là? Putain, les piétineurs juste là. Ok. Je vais faire profil bas. Très bas. Je vais faire profil, mais tu vois, le profil sous-marin, quoi. Le profil, c'est la tête dans le sable. Le profil autruche. Je vous laisse un peu profiter, hein, des images, de l'environnement, l'ambiance sonore et la musique. Et à ce moment-là, il coupe la musique. Mais il me casse le truc, quoi. C'est quoi ça? Des étincelles. Ça, c'est chaud, ça, les étincelles. Hein. J'en ai pas croisé beaucoup. Mais là, on est où, là? Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Oula, oula. Oh, pardon, les mecs. Oh. Je suis en train de passer mon permis de grand front, hein. Je suis désolé. D'ailleurs, je vais me garer ici. Voilà. Encore un petit feu. Ça mange pas de pain. On sauvegarde.
Jiran a laissé du sang sur le trône, mais Avad essaie de le laver. C'est joliment dit. Ça pourrait être pris autrement. C'est joliment dit. J'espère que tu vas bien. La garde du Levant. L'éternité que je ne me suis pas reposé. Oh ouais, mais mon pote, là, t'as une vue de fou, quoi. Je veux dire, tout le monde à son boulot n'a pas une vue comme ça. Hein. Regardez-moi ça. En contrebas et tout. C'est ouf, hein. Là, le paysage, je suis désolé, les amis, je bloque un peu sur le paysage, mais sincèrement, c'est superbement bien fait. C'est sur différents niveaux. C'est profond. Pas d'entourloupe. C'est beau, comme d'habitude. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Mais vous êtes pas sérieux, regardez-moi ça, putain. Mais... Alors attends, je jette un petit coup d'œil quand même sur la carte. Je regarde l'horizon dans cette direction. Voilà. Pff, oh, regardez ça. Bon bah allez, on s'aide. C'est... Il y a tant de choses à faire, tant de choses à voir. Je peux pas tout faire en vidéo les amis, sinon ce serait des vidéos de 1 heure à chaque fois. Et j'en sortirai une tous les jours quoi. Alors on n'est pas là pour manger le jeu. J'ai déjà dit sur différents jeux. C'est pas du tout notre délire, c'est pas du tout l'état d'esprit. Il y a beaucoup de youtubeurs qui, à peine le jeu sorti, le farm. C'est très bien, hein, il y en a qui aiment, il n'y a pas de soucis. Moi, personnellement, les jeux, on me les donne pas. Je suis pas sponsorisé. Et même si c'était le cas, j'ai envie de dire... Enfin voilà, quand on vous pond un jeu comme Horizon Zero Dawn, s'il vous plaît les mecs, appréciez-le. Savourez-le, c'est même pas une question d'apprécier parce que je pense que les gens qui farment comme ça ils apprécient. Mais enfin voilà quoi, on n'est pas du tout dans le but. Ah tiens. Oh tu as vu qu'être peur toi. On n'est pas dans le but de farmer le jeu pour être le premier à sortir les vidéos. Non. Laisse-toi fillette. Tu vas gâcher le plaisir. Quoi? À chacun ses raisons. Attends. Tu peux être parce que tu n'as pas le choix. Je ne juge pas. Mais tu m'as pris pour la dernière qui des bitches, ou... flèche qui touchait son but. Tout le temps qu'on a passé à traquer. On l'a déjà croisé lui. Il avait les Neil. Yeux humides. Il est chelou lui, je sais pas, j'ai pas trop confiance. Un mercenaire peut-être? Je suis Neil. J'ai remarqué que dès qu'il y a un conflit, il y a des bandits. D'abord, ils tuent les innocents, ensuite ils tuent tout le monde et enfin ils s'entretuent. Tiens, j'ai une idée. Toi et moi, je suis bonne analyse. Les tuer tous. T'en penses quoi? J'en pense quoi? Je ne te connais pas. Jeune étranger. Et je ne te fais pas confiance. Allez, bim! Ah, la confiance. C'est rare de nos jours. Je ne suis qu'un voyageur. Avec un arc qui se soucie de la sécurité de ses lieux et qui n'a plus d'associés. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Laisse-moi te poser une question. Es-tu un bandit? Bien sûr que non. Alors tu n'as rien à craindre de moi. Une tête de bandit, moi? Sérieux, j'ai une tête de monde? J'ai pas besoin de toi pour éliminer quelques bandits. Une solitaire? Ah, ça me plaît. C'est remballé direct. Si tu te fais tuer, je les massacrerai avant qu'ils puissent utiliser ton crâne comme saladier à pique-nique. Comme saladier à pique-nique. Donc en fait, on vient de découvrir un camp de bandits qui se situe juste là-haut. Regardez les amis, il est juste là-haut. Et si je comprends bien, on va avoir deux options. Attaquer le camp seul ou à l'aide de Nils. Ou Nils. Mais pour l'instant, on peut pas. Là, tu vas m'attendre là, hein. T'es en position caca, c'est très bien. Reste là. Regardez-moi ce paysage de malade. Mais c'est quoi ce... On ne sait pas ce que c'est. C'est ni un immeuble, ni une construction Karja. C'est genre, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Mais regardez-moi le paysage aussi qui change là-bas, là-bas au loin. Regardez bien au loin. Sortez vos jumelles. C'est la forêt.
Et là, donc, le fameux village bandit. On se le fera, hein, on se le fera, c'est sûr. Après, sincèrement, je peux pas tout mettre en vidéo, je viens de vous le dire. Je m'en suis tapé des villages. Hein. C'est quoi ça? Oh! Tranquille, quoi. Une gueule d'orage, là, posée, quoi. C'est quoi ces anneaux, là-bas? Oh là 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 là, tant de questions, je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Bon, bref. C'est pas là? Attends. Je viens de où, là? Attends, là, le GPS, tu me prendrais pas pour un teubé? Attends, je viens de là. Je viens de là. Donc, c'est par là. Yes, yes, I. Ok, c'est parti. Le gueule d'orage, il est où, là? Juste là. Sincèrement, c'est pas que je veux pas. Hein. Mais c'est pas avec quelqu'un. Hein. Ah, il a l'air de se battre avec quelqu'un. Je sais pas s'il se bat avec une autre machine. Bon bah c'est bien. Au moins son attention n'est pas fixée sur nous. Aïe! Ça m'a entendu ce cri. Ah, à mon avis. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il va me repérer, il va me repérer. Allez, on se casse. On se casse de là, les amis. Franchement, c'est tendu. Hein. Salut! Voilà. Ah, c'était méchant! Putain, la vache, ils sont combien? Oh, le délire. Les mecs, tranquilles, posés, quoi. Ils font leur petite balade de fin de journée. Je le feu, moi. C'était ouf. C'était ouf. Voilà, là-bas, là. Bim! Aïe! Voilà, coucou! Je leur fous le feu, c'est quand même. Mais c'est qui? Vous êtes qui? C'est pas des quartiers en tout cas. C'est pas des Nora, c'est pas des quartiers. C'est qui ces mecs qui m'attaquent là? Tiens! Oh, je l'ai dégagé. Oh! Ah ouais. Ah le bâtard! Pardon. Ouah! Tiens, oh, du jaune. C'est toi, toi, c'est... Tiens. Ça fait du bien, ça, ça va te... Non, en fait, non, ça va pas te rafraîchir les idées. Au contraire. Je vais en finir avec ton petit cul. Hop, et voilà. Il est où, là? Toi, là, bim. Oh là là, il manquerait plus. Ah, du jaune aussi, toi? Ça y est les amis, faites-moi les malins là. Ça va, le gueule d'orage n'a pas été ameuté, je sais même pas pourquoi, c'est un putain de miracle. Je me retrouve avec le gueule d'orage sur le dos. C'était plutôt chocon quoi. La vidéo elle durait 15 plombs. Bah, je pense que là on... En plus la nuit est tombée. Je pense qu'on va faire une pause. Petit feu de camp, posé, tranquille. On a un moyen de locomotion. On a un feu pour sauvegarder. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour la suite de notre petite balade sur ces nouvelles terres cardiaques. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner peu cher. À la semaine prochaine.